Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications Android. Et aujourd'hui, on va découvrir l'application Parallel Space. Et ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur une présentation d'application Android qui permet de dupliquer n'importe quelle application et l'avoir en plusieurs fois. Par exemple, si vous voulez avoir deux applications Facebook pour vous connecter à deux comptes Facebook, ou deux applications Instagram, deux applications Snap, ou deux applications jeux, c'est comme vous voulez. Donc on va cliquer dessus pour que vous compreniez. Donc lorsque je clique sur ouvrir, on voit qu'on a un petit pub, on peut cliquer ici pour passer. Et là on voit que c'est toutes les applications que j'ai décidé de dupliquer. Donc je peux dupliquer Pokémon Go, WhatsApp, Oculus, Instagram, Twitter, n'importe quelle application. Ou je peux rajouter une autre application à volonté. Donc là, c'est toutes les applications qu'il y a sur mon téléphone. Je peux choisir de les dupliquer, n'importe quelle application. Je sais qu'il y a Samsung ou d'autres téléphones qui proposent de dupliquer des applications comme Messenger, Facebook, etc. Mais c'est que quelques applications, alors qu'avec cette application là on peut non seulement dupliquer, mais on peut aussi dupliquer des applications et les mettre dans l'onglet privé. Donc on a juste à cliquer sur le PlayStation Store dans l'onglet privé, chercher l'application privée à installer et le mettre dans l'onglet privé. Je crois qu'on peut même mettre un mot de passe. Donc on va prendre un exemple. Par exemple, si vous, on va juste revenir en arrière, maintenant que vous avez vu ça, là j'ai un compte Facebook connecté à l'application et j'ai le compte Facebook de ma chaîne YouTube qui apparaît juste ici, les perdus du numérique. Donc ça marche plutôt bien. Et là on peut voir que lorsque je fais ça, j'ai le compte Facebook avec l'application Facebook installée sur mon téléphone et l'autre compte Facebook installé dans l'application. Et pour les différencier, en fait c'est le petit logo orange avec les deux petits ronds qui apparaît qui différencie. Donc là c'est le Facebook de l'application et là c'est le Facebook qui est installé on va dire sur le bureau de mon téléphone, enfin sur le menu principal de mon téléphone. Donc c'est plutôt pratique quand même, le fait d'avoir cette application là, le fait de pouvoir dupliquer n'importe quelle autre application. Le seul désavantage, que par exemple je sais pas, parfois sur Snap ça bug. En fait il n'y a que sur Snap où je remarque des bugs, où des fois ça ne veut pas se connecter, ou des fois ça marche, mais après il y a une mise à jour récemment, je pense que ça a corrigé le problème. Du coup voilà, maintenant vous savez que ça existe une application qui fonctionne plutôt bien, qui s'appelle Parallel Space, qui permet d'avoir plusieurs comptes sur votre téléphone. Du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo et vous dire si l'application Parallel Space a marché pour vous et que vous arrivez à dupliquer vos applications correctement. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner pour aider à ma chaîne à se développer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série présentation d'applications. A plus la team! Pour retrouver d'autres présentations d'applications intéressantes sur Android, cliquez sur les perdus du numérique après que vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist. Et là, cliquez sur la playlist Applications Android intéressantes. Donc, dans cette playlist, je regroupe toutes les applications que j'ai présentées, comme les applications pour regarder des canulars, ou faire des canulars, des applications pour trouver des promotions, etc., etc. Bien sûr, je remettrai cette playlist à jour de la mesure du possible avec des nouvelles vidéos. A plus, la team!